grand plaisir pour Huawei d'organiser la première édition Job Fair 2020. À dire vrai, au Maroc, nous sommes là, ça fait plus de 20 ans, et le premier fournisseur de ICT. Et Huawei, en effet, on a développé notre projet avec les autorités gouvernementales marocaines, y compris Huawei ICT Academy, depuis fin 2018, et aussi Huawei ICT Competition. Depuis l'année dernière, aussi cette année, on a eu un résultat très bon résultat de notre équipe marocaine, étudiants marocains. Et ICT Job Fair, ça c'est l'un des projets aussi qu'on est en train de pousser et de développer. Parce que pour nous, en effet, comme on dit, Huawei, on a expertise, on a notre partenaire, et aussi on voudrait offrir la plateforme pour nos étudiants, pour les talents et aussi pour notre client et partenaire. Donc aujourd'hui, c'est le premier pas à dire vrai, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la partie de Huawei et aussi pour notre partenaire, pour notre étudiant. Oui, je crois parce que Huawei, premièrement, nous sommes aussi dans ce domaine. Nous sommes l'un des plus grands fournisseurs de ICT. Donc nos partenaires et notre aussi sous-traitant, ça c'est dans le même écosystème. C'est pour cela qu'on organise cet événement. À dire vrai, j'ai vraiment apprécié beaucoup leur effort, en particulier pendant cette période très spéciale, pendant la pandémie. J'ai vu qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup contribué pour l'apprentissage de nouvelles technologies. Pour eux, j'ai dit, vous êtes jeunes, donc allez-y, doule, c'est tout. Aujourd'hui, très fiers et très reconnaissants. D'abord à nos partenaires qui nous ont accompagnés pour justement créer une synergie ensemble pour avoir un plus grand impact, parce que c'est le but de cette initiative, toucher un maximum d'étudiants. Nous savons qu'ils ont des compétences, de grandes compétences, et nous voulons justement rapprocher ces compétences à l'industrie, tout simplement. Et donc voilà, donc nous sommes très très heureux. Et donc il y a beaucoup de travail à faire, mais nous ne sommes pas seuls. Et donc nous allons continuer. Et puis voilà, Inch'Allah, on va réaliser avec les étudiants de belles réalisations. Nous sommes aussi très heureux parce qu'en fait, c'est une des briques parmi les différentes parties du puzzle que nous constituons depuis un moment avec justement le ministère de l'enseignement supérieur et les différents partenaires, parce que nous avons lancé le programme ICT Academy, qui consistait à justement former en termes de hard skills les compétences technologiques avec des certificats en main. Donc c'est pour renforcer cette compétence et cette employabilité, plus de chances pour cela. Et là, nous ajoutons avec notre partenaire EFE et nous-mêmes, nos ressources internes et nos partenaires, ces formations de soft skills aussi pour se vendre le mieux et pour vendre leurs compétences que nous sommes sûrs. Les étudiants en ont et en ont beaucoup. La preuve, ils ont participé à la ICT Competition mondiale et ils ont reçu le premier et deuxième prix. Il y a tellement de choses que nous avons fait. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de succès à cet événement-là, à cette première édition, qu'on souhaite, Inch'Allah, développer par les années à venir. Justement, donc, nous n'offrons pas que des offres avec nos partenaires. Déjà, c'est une première étape, c'était de rassembler le maximum de nos partenaires pour leur offrir le maximum de que ce soit de PFE, mais beaucoup aussi d'opportunités d'emploi. Mais pour les accompagner, justement, nous avons notre partenaire EFE.
et nous-mêmes aussi, nos compétences que nous avons développées au sein de la multinationale, pour leur offrir des formations, des soft skills. Donc c'est des sessions, c'est des webinaires, c'est des formations en ligne dans le domaine de comment se présenter, comment préparer le CV, comment chercher l'emploi à travers le LinkedIn, comment se présenter via LinkedIn, Facebook. En fait, c'est tout un programme qu'on prépare aux premiers participants, à ces 200 participants qui ont déjà soumis leur CV. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus que 200. D'ailleurs, nous invitons beaucoup les étudiants à répondre massivement. Le reste, on va essayer de les accompagner autrement. Mais en tout cas, les premiers, pour leur assurer la meilleure qualité d'accompagnement, nous leur offrons déjà, bien évidemment, gratuitement avec nos partenaires, cette formation très, très ficelée pour qu'ils soient le plus aptes à répondre au marché de l'emploi en général, avec ce que nous offrons, mais aussi en général. Elles sont ouvertes jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que nous annoncions la date des interviews. Donc j'invite les étudiants en tout cas à rester connectés. De toute façon, ils sont déjà connectés, c'est pas clair, Léo. Donc juste qu'ils restent connectés et qu'ils suivent un peu les news de Huawei, donc nous communiquant via Facebook, via LinkedIn, via notre site aussi. Juste restez connectés, nous vous informerons bientôt avec les différentes étapes. Tout sera communiqué.